الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيتها المسلمة اعلمي أن المرأة المسلمة لابد أن تكون في هذه الحياة الدنيا على حذر من الشيطان الرجيم لأن الشيطان مهمته في هذه الحياة الدنيا الإفساد أي إفساد الدين إفساد الخلق إفساد العشرة إفساد الأخوة إفساد المعاملة ô oh, toi la femme musulmane sache que la femme musulmane dans cette vie d'ici-bas elle doit prendre garde contre le diable car le diable ce qui est important pour lui dans cette vie d'ici bas est la corruption, le désordre. C'est-à-dire corrompre la religion, corrompre le comportement, corrompre la société, corrompre la fraternité, corrompre dans les échanges, corrompre tout ce qui est bien. Ismail, الى قول الله جل وعلا قال سبحانه مخبرا عن الشيطان الرجيم قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ماذا يريد الشيطان منك الجواب يريد أن يشخلك عن الطاعات والعبادات والقربات ويريد منك الجهل أي الجهل بالله Wabi Écoute au toi la femme musulmane, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Dans le sens, lorsqu'il nous informe concernant Shaitan Satan, dans le sens, il nous dit Puisque tu m'as mis en erreur. Dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseyerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Qu'est-ce que le diable veut de toi, ô oh, toi, la femme musulmane La réponse est il veut de toi. Que tu, que, tu sois distrait des adorations d'Allah, des actes d'obéissance envers Allah, et ce qui te fait rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il veut de toi l'ignorance, que tu ignores ta religion, tu ignores Allah, jalla wa ala, les noms d'Allah, subhanahu les attributs d'Allah, jalla wa ala, ainsi, Que les actions الله سبحانه وتعالى ولذلك تحتاج المرأة المسلمة إلى أن تتفقها في هذا الباب ولذلك المرأة المسلمة عليها أن تحافظ على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى الأذكار Donc la femme musulmane a besoin de s'instruire dans ce domaine, c'est-à-dire connaître Shaitan. C'est pour cela que la femme musulmane, elle se doit de préserver ses obligations envers Allah. Ainsi que les adorations envers Allah. Et ce qu'il a fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle se doit de préserver ses invocations. Afin qu'elles soient sauvées de cet ennemi. Yakulullahu jalla wa aala. Inna al-muslimine wa al-muslimat. wal muminina wa al-mu'minat. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة لسان جل الله سبحانه وتعالى لمسلمون مسلمان Croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, les fervents et ferventes, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense.

وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك